Aujourd'hui, en direct du Mont Fuji, nous allons visiter le supermarché du coin, Ogino. 9h du matin, il ouvre tout juste ses portes. Donc, un beau panier en entrant, c'est tellement sympathique. On a le coin patente en entrant qui essaie de nous vendre des choses qui ne sont pas utiles. Du saké, délicieux saké, avec des formats incroyablement trop gros. Encore du saké, de l'alcool, de la bière japonaise. Ensuite, on a le coin des surgelés. Ainsi que surgelés et conserves, je dirais. Marinade, etc. Le natto qui vient en plusieurs saveurs. Certains natto plus spéciaux ont ce deuxième compartiment, mais la plupart sont simples comme ceci. Aujourd'hui, nous sommes venus acheter du lait. Voilà. Intéressant à noter, le lait au Japon n'est pas pasteurisé. Donc, tout lait ou yogourt contient bactéries actives. Donc ici, rayon de délicieux yogourt, full de vie, rempli de vie. Pudding, le pudding, si populaire au Japon. Du café en carton, café en verre. Le rayon du pain. Au Japon, on peut seulement acheter des petites quantités de pain, 5 tranches, maximum 8 tranches. Jus en bouteille. Oh! Café en bouteille. Café en conserve. Crousté. Si populaire également. Miam, 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 un bon snack. Oh, ramen, soupe, café, cette fois-ci café à percolateur, ainsi que café instantané. Viande. Les nouilles de soba. Encore des ramen. D'autres snacks et croustilles. Ici, on a l'allée des bonbons. Bonbons, chocolat, compagnie. Mmh.
Nourriture en conserve qu'on vient de dépasser et maintenant farine, sachet, biscuits. Les Japonais sont aussi très forts sur les biscuits, les crustés, plein de couleurs, on aime ça. Tout un allée de sauce soya, oui, oui, tout ça. C'est différentes sortes de sauce soya, ainsi que de l'huile et du vinaigre, beaucoup utilisé, du sucre, différentes sortes de sucre, du miel, cassonade, en coin pharmacie. Poisson séché, poisson séché, de l'algue. Oh, miso, pour faire de la soupe. Soupe miso. Toujours de la viande. En plastique, ici, légumes conservés. Poissonnerie. Rempli de poissons frais, frais du jour, à tous les jours, les commis viennent placer plus de poissons. Poissons séchés. Des bons légumes frais. Le coin des aubaines. Le marché, légumes. Et voilà. On a presque fait le tour. Également, les supermarchés au Japon nous offrent nourriture déjà cuisinée. C'est vide car on est le matin, mais en général, c'est rempli. Kabocha. Ainsi qu'une petite boulangerie. Pain frais, pain chaud. Et voilà, on se dépêche un peu, on veut pas que la vidéo soit trop longue et on s'en va payer. Chose intéressante à noter, tous les commis dans les magasins japonais nous disent bonjour quand on les croise. Et voilà. Mission accomplie, nous avons du lait.